travailles dans quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Tu as quoi comme projet? Que comptes-tu faire après tes études? Le travail est omniprésent dans notre monde, dans le monde. C'est même, je pense avant tout, ce qui définit l'homme depuis des millénaires. C'est peut-être même ce qui pourrait différencier l'homme de l'animal s'il y a réellement une différence. Mais c'est quoi au juste travailler? Si je me rappelle bien, le mot travail vient du mot tripalium, un objet de torture à trois pieux. Donc travailler, c'est souffrir. Travailler, c'est endurer. Et même la définition actuelle du travail le dit. Travailler, c'est exercer un effort continu en vue de produire. Produire, c'est un mot clé. Durant toute notre histoire, la production a été un enjeu. Il fallait produire, encore et toujours. Mais la production, dans notre société capitaliste néolibérale, est encore plus présente. Tellement présente que nous produisons trop. Nous produisons tellement que nous épuisons notre planète, la nature dont nous faisons partie. Le terme travail a même été remplacé par projet. Nous ne faisons pas un travail, nous faisons un projet. Nous allons au travail tous les jours, nous payons avec notre temps de travail. Nous sommes obligés de souffrir pour vivre. Nous devons souffrir tous les jours pour faire les choses les plus élémentaires, manger, boire et se loger. Oui, souffrir. Avez-vous déjà vu des personnes mécontentes de finir le travail? Non. Les personnes sont contentes de finir leur travail. Pire que ça, elles comptent le temps qu'il reste avant la fin. Moi, je n'en ai pas envie. Non, ce n'est pas que je n'ai pas envie, c'est que je ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait pendant un temps, mais je savais que ça ne durerait qu'un temps court. Que je ne ferais pas ça toute ma vie. Toute la vie, on nous entraîne, on nous emmène, on nous part et on nous éduque vers cette souffrance. Dès l'école primaire, on nous demande ce que nous voudrions faire plus tard. Et nous, on répond par astronaute, médecin, pompier ou autre. Un nom de travail. Et pas simplement être heureux, faire ce que j'aime. Tout ce que l'on nous enseigne, tout ce que l'on apprend a pour but d'avoir un travail, d'aller vers cette souffrance. Pourquoi je suis en école d'architecture? Pour être architecte. Pourquoi es-tu en médecine? Pour être médecin. Pourquoi es-tu en fac de droit? Pour être juge, avocat, commissaire, ou que sais-je. Les bourses d'études s'arrêtent même à 28 ans. Ça veut dire que l'on ne peut pas passer notre vie à apprendre. Non, on nous oblige à travailler, à souffrir à partir de 28 ans. Ben oui, si à 28 ans tu n'as pas de souffrance, t'as un peu raté ta vie quand même. Ben moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas travailler. Moi, je veux juste vivre. Vivre heureux, en faisant ce que j'aime. En fait, je ne veux pas souffrir.